Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 5 de Eye of the Beholder, de la légende de Dark Moon. Cet épisode devrait durer un petit peu moins longtemps que d'habitude, à peu près un petit peu moins de 2 heures, et on en fera un deuxième dans la foulée. Ne vous inquiétez pas, puisque je dois faire une petite pause entre les deux. Bref, alors la dernière fois on était resté sur une espèce de puzzle bizarre. Je vais le pointeur de la souris, voilà. On a 4 leviers ici, une plaque ici, et une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes. On sait que chaque levier lève une porte. Voilà. Mais à chaque fois qu'on abaisse un levier, non seulement ça lève une porte, mais ça aussi ça fait apparaître un trou en dessous d'un autre levier. Donc, la dernière fois j'avais la flemme de faire un plan. Je vais faire un plan maintenant. On va regarder quel levier fait quoi en fait. On va regarder quel levier fait quoi. Il y a aussi une plaque, il y a une brique ici qui est déchaussée, qu'on peut enfoncer. Donc je subodore que cette brique est ce qui va nous permettre d'activer les 4 leviers. Parce qu'il faut absolument que les 4 leviers soient activés. Même si on en active 3, 1, 2, 3. Tout ça c'est ouvert, mais là c'est fermé. Il faut forcément que les 4 soient activés. Pour l'instant, on a réussi à activer que les 3 ici, avec la porte qui est fermée là. Donc on va regarder ce que ça fait. La plaque ici, elle réinitialise tout le puzzle. Donc je pense pas qu'elle fasse partie du puzzle. Voilà. Ok. Alors, si on regarde, on prend la map comme ça. Légende de Dark Maul, c'est du Star Wars. Oh là là. Oh là là, Maron. Alors, c'est comme ça. Toc. Toc. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on a levier, 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 levier. On va appeler ça en haut là, celui auquel je fais face, on va l'appeler A. Ensuite, on va appeler celui d'en face B. Celui d'en bas à gauche C. Et en bas à droite D. Ok. Et les pièges, on va les appeler 1, 2, 3, 4. Dans le même ordre. Donc 1, 2, 3, 4. Et les portes, on va les appeler. Putain, chier. Voilà, il y a une porte ici. Ensuite. Tac. Merde. Pas grave. En fait, j'ai pas besoin de faire tout le chemin, je suis con. Porte 1. Porte 1, 2, 3 et 4. On s'en fout. Donc 1, 2, 3, 4. Comment on les appelle les portes? On a fait A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a une autre façon de mesurer? On va appeler en chiffres romains. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, maintenant, on va regarder ce que ça fait. Alors. Oups. Je suis là. On fait le levier A. Le levier A. Ouvre la plaque 2. Et la porte, levier, plaque, petit piège, ouais c'est putain chier, door, on va faire ça comme ça, tac, tac, B, C, D, ok, et si on le remet, ok, donc c'est ok.
Bon, par contre, on voit pas. On voit pas quelle porte ça ouvre. Mais c'est pas la première. C'est sûr. Ok. Donc ensuite le B. Si j'active le levier. Enfin le levier 2. C'est aussi celui-là. Le levier. Ok, ici. Ça active. B4. Ok. Tac. Donc on avait celle-là. Donc si je fais celui-là. C'est celui-là, c'est ça. Donc si je fais. Là je suis en. Ouais, je suis con. D, ça active. Le 3. Et donc j'imagine. Celui-là active. Celui-là, ok. Donc C active 1. Nickel. Est-ce qu'on voit d'ailleurs. Non, alors attendez, hop. Je peux regarder. Ok. Donc c'est bien celui-là. Le levier D active la porte 1. L'idée active la porte 1, ok. Donc ensuite, faudrait voir qu'est-ce qui active la porte 2. C'est avec celui-là. Non. Ok. On est obligé d'activer celui-là d'abord. Sinon, on peut pas savoir. Merde. Ok. Fuck. Hop. Tac. Alors c'est pas donc j'imagine c'est pas celui-là et c'est pas celui-là, donc ça veut dire que c'est celui-là, ça veut dire que c'est celui-là, ça veut dire que le levier C active la porte 2. Ok, c'est ça. Ok, alors faire la masse avant les choses plus claires, oui clairement. Bah après, faire la map ou en avoir une de base, hein, Kashka. Si j'avais la map de base et que je pouvais mettre les notes dessus, ça serait pareil. Ok, alors, il faudrait. Donc si on fait, on commence par celui-là. Ok, et ensuite je fais celui-là. Ce qu'on a dit, donc là on a commencé par le. Voilà, celui qu'on connaît pas. Et donc si on fait celui-là, ça monte la porte là. Donc c'est pas le A. Ah non. Je suis con. C'est. Celui-là. Voilà, ok, donc c'était bon. Et ensuite, on va voir hein, ce qui ouvre la 3. Ça fonctionne. Donc ça. On était dans laquelle ? Ouais, c'est. On est sur le levier B. Voyons si le levier B. Ok, donc le levier B n'ouvre pas la porte 3. Donc le levier B, à mon avis, ouvre la porte 4.
Donc ça serait le levier A qui ouvrirait la porte 3. Je ne me trompe pas. Donc il faudrait... On commence par... 1, 2, 3. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire DCA. D. C'est A, mais pas forcément dans l'ordre là. Parce que D. Bloc 3. Tout sauf B. Fait A en dernier. Non, on fait C en dernier. C en dernier. Donc D A C D non A D C A D C c'est ça A D non D non C D A C D C D bien ça. ACD. Donc il nous reste B qui ouvre la dernière. Mais vu qu'on a activé A, ça nous a mis la pile. Alors après on a ce truc là, où est-ce qu'il est? Là. Qu'est-ce que ça fait après? On a vu que ça faisait rien la dernière fois, je crois. Ça change rien. Donc en fait, faudrait essayer de voir à quoi sert la brique. On sait aussi que quand on réinitialise, ça réinitialise le puzzle entièrement, ça réinitialise la brique. Donc, je crois que ça sonne. Ah, c'est DC. Merde, je me rappelle plus d'ailleurs, c'était quoi? Tu fais ACD. C'était ACD, ok. ACD. Je vais vérifier quand même. Et c'est vrai qu'il y a assez d'essais. Ah, ça suffit les dédiés. A. Ah mais non, c'était pas ça du tout. Parce que du coup, là, il y a un trou. C'était plutôt... Qu'est-ce que j'avais dit? Putain. D. Non. ADC, je crois. A. Et c'est où est-ce que ça doit être ça? ADC. A. C'est ça. J'avais fait ça. Mais non! ACD. Ignorez-moi, ouais, j'aurais dû. J'aurais dû, je me mélange les personnes. A, C, D. Et on a les trois portes qui sont levées. Ok. D'accord. Mais alors, le problème, c'est qu'on peut pas. On est obligé de lever, puisque la porte, là il n'y a pas de porte, là il y a une porte là, la brique elle est là, la brique elle est dans la dernière partie en fait, donc il faut absolument ouvrir la porte 1, 2, 3 pour pouvoir appuyer sur la brique. C'est là où je comprends pas. Sachant que la brique n'a rien fait. Je pensais que si la brique bouchait ce trou là par exemple, ça aurait été pratique. Ça aurait été logique aussi. Mais là c'est pas le cas. Donc c'est là où je comprends pas. Parce qu'il faut absolument baisser ce levier là.
Est-ce que si on relève, ça fait quoi si on relève, on avait dit? Ça fait rien du tout si on relève. Ok. Il faut relever avant de bouger la brique. Ça change rien. Donc c'était ACD. Ok. Est-ce qu'il y aurait une autre combinaison peut-être? Parce que ça on avait réussi la dernière fois. Ça on avait réussi même sans réflexion. Il faut absolument... Peut-être qu'il y a d'autres briques? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a des briques ici? Non. Non, ok. Ah là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et si on faisait... Et si on faisait A... Là, on fait ADC. Si je fais A... B. AB. B, ça va retirer la quatrième. Donc la première porte, elle sera pas ouverte. On est obligé de faire la D pour pouvoir passer. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Si on fait... Peut-être B... C... Non, A... C'est... Ouais, c'est ça. Je crois pas. Il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est là que. Et on a peut-être. Il nous manque peut-être un truc. Il nous manque peut-être autre chose en fait. Je crois pas. Je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas ce qu'on a pu louper. ACD. C'est. PD. C'est la seule combinaison. Pour pouvoir atteindre la brique là, ça fait clac. Et la trappe est toujours là. Je comprends pas. Oh. Non. Oh non, putain. Non, c'est nul, ça. Oh non, 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 ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug. Mais non, c'est nul. Si c'est fait exprès, c'est nul. Si c'est fait exprès, c'est nul à chier. Je suis désolé. Ça va être un bug. Putain.
Ouais, ça doit être un bug, hein. Je vois que ça. Ah, ok, alors, oh là là. Sauvegarde. Ok, parce que là, je crois qu'il y a des... il y a des bzzz qui stun et qui empoisonne, il me semble. Ok, en tout cas, c'est passé. On va aller par là. Flap, flap. Ok. Paf. Je vérifie. Je crois une paralysie. Ok. Ok. Ah. Ah. On a quoi comme clé? On n'a pas de clé. Ah! Fuck! Pas prévu ça. Eh merde. Fucking. Non mais... Oh, ok, j'ai plus l'habitude du tout. C'est pas grave. Il y a du... Allez, empoisonné et stun. Super. Merde, putain. Ah là 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 là. Tiens, boule de feu. Bim. Faut se dépêcher en plus. J'oublie tout le temps qu'il y a énormément de lag d'ailleurs. Hein. Si vous voyez que je fais des trucs chelous, genre j'ouvre l'écran de perso et tout, c'est parce qu'il y a du lag. Il y a à peu près une demi-seconde de lag et c'est pas facile des fois. Ok, hop, 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 hop. Je sais. Qui c'est qui est empoisonné? On a Koima, les deux sont empoisonnés, d'accord. Chier. À l'époque, j'avais un cahier rempli de cartes et de notations sur ce jeu. On trouve plus le temps. Ouais, ouais, bah ouais, j'imagine. Hein. Ok, on va faire ça. What the fuck? Voilà, la flèche qui part. 10 000 ans après, forcément. Alors soigner le poison à un moment donné, mais je veux tout visiter avant parce qu'on n'a pas non plus 3 millions de soins du poison en fait. Donc il y a juste une porte avec une serrure en fait. J'ai l'impression. Hein. Il manque un bouton quelque part. J'ai pas l'impression. La porte. Une clé pour... Ok, c'est une clé de cuivre, j'ai l'impression. On devrait pouvoir... on devrait pouvoir rester ici, se soigner ici. Alors... le soin du poison, il est où? Neutralise poison. Allez. Quoique, il y a peut-être... voilà. Tac.
Mais moi, c'est ce que j'avais aussi quand je jouais à Isha. Hein. Ah, puis la paralysée est partie, ok. Ah, ils étaient... Bah si, ils étaient paralysés. Ouais, ils étaient paralysés. Koïman n'est plus paralysé, Aaron. Koïman n'est plus paralysé. Bien, ça. Grand soin. Attention, grand soin. Oh. Hop, yes. Alors, et puis on va repartir puisque de toute façon on n'a pas la clé, à moins que. On va pas essayer, on a les clés sur nous, on va pas essayer. Normalement les clés elles se ressemblent. Allez là. Merci. Tac, tac. 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 Pourquoi je suis pas full soin là? Ah, c'est à cause de secours qui est parti, ok. Secours, ça doit rajouter des PV en fait. J'ai besoin d'une clé. Bon, je doute que ce soit la clé crâne, hein. On a une idole mantis aussi, on a une amulette de Kelben, on a ça. Personne n'a d'autre n'a de clé, hein. Ah si! Aaron qui a volé une clé. Ah, bah, bravo. Bravo. Ok. Oh oh. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le gars, oh là là. Attendez là. Je vous salue de nouveau. Et vous avez presque terminé l'épreuve de la foi. Il reste un obstacle que vous devez affronter. Vous avez bien appris et je crois que nos leçons n'ont pas été vaines. La porte sur la gauche vous mènera à la prochaine épreuve. La porte sur la droite vous conduira à une mort certaine. Ok. Droite mort, gauche épreuve. Ah, c'est un piège. C'est évident. C'est évident, ce genre de truc. Si la personne nous voulait du bien, elle nous dirait quelle est la bonne porte. Elle nous dirait... Enfin, non. Droite mort, gauche... c'est ça qu'elle a dit. Hein. Moi, j'y crois pas. Ok. Ah, les deux se ressemblent. Ok. Hop. Inter 3. Alors. Je suis sûr. Droite, c'est la mort. Là. Donc, à mon avis, c'est à la droite qu'il faut aller. Donc, on va faire la gauche. Hein, on fait celle pour laquelle on pense. Que c'est faux. Donc il a dit que là c'était la suite. Alors qu'en fait je ne pense pas. Tiens. J'en étais sûr. Ça nous ramène au début. Ok. Moi c'est pas grave, on n'a pas perdu trop de vie en fait. Comme ça on découvre en plus. Ok, c'est parfait. Ok, donc c'est un gros menteur. C'est bien ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ça nous tue tous, mais... Ah ok, le puzzle est pas à refaire, ça c'est bien. Quelle goujaterie! Ouais, en général... Non, ce genre de truc, c'est toujours le contraire, parce que... Pourquoi est-ce qu'il le dirait, quoi? Si ce n'est pour nous induire avec de l'erreur. Tiens.
Suite. Oh là là. Ok. On n'a pas tout exploré, mais parce que, enfin, j'imagine qu'il y a, il y a une bonne partie de la map qui n'est pas encore là, mais on peut pas faire plus. Donc allons-y. On va redodo. On va redodo. Pardon, dodo, c'est là. Hop. Yes. Pour bien nous enduire, ouais. Qu'est-ce qui nous a enduit? Oh là là là. On s'est fait, on s'est fait grave enduire. Ok. Tac. Ouais, je pense qu'on peut faire une sauvegarde sur Good. It is a good. Ok. C'est parti. On monte. Montons. On était quoi, au premier ou deuxième? Je sais même plus. Étage. On arrive au deuxième ou au troisième, en gros. Je me souviens plus. Je ne sais plus. Je suis perdu. Bon, en tout cas, ça va. Ça progresse. Qu'est-ce qui nous attend ici? Silver. Ouais, mais Silver, combien? Encore? The fuck? Ok. Ah, oh, il y a un biton là. Il y a pas de biton. Ok. Ah, ouais, c'est le même niveau, mais ok, bizarre. Allons à gauche. Les plaques. La plaque dit le chemin à travers 3 et 2, pas 4. Quoi? Ok. C'est... Ouais. Le chemin à travers 3 et 2, pas 4. Le chemin... Travers... 3... Et 2. Pas... 4. Ok. C'est cryptique. J'aime. D'accord. C'est pas clair, non. Oh oh. Ok, ça sent le flap flap. 3. Ah, d'accord. 2. 1. Ouais. Chemin à travers 3, c'est 2. Oh, une bouche. Ah, une bouche. Oh. Lorsque nous avons fêtoyé, c'est moi qui ai chanté. Là. Lorsque nous avons festoyé, c'est moi qui ai chanté la prière. Quand nous avons été affamés, c'est moi qui ai respiré la douleur. Vous pouvez répéter la question? Il faut lui filer à bouffer. Il faut lui filer à bouffer. C'est ça? Allez, on lui file à bouffer et il nous file une prière. Aïe! What? What the fuck? Ouais, mais j'ai perdu quelqu'un déjà là. C'est vilain. C'est très vilain.
Lorsque tous mes frères chantent leur chanson, le chemin s'ouvrira et vous pourrez continuer. Lorsque tous mes frères chantent leur chanson, le chemin s'ouvrira. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut trouver plein de bouches et leur filer ce qu'ils veulent, quoi. En gros, c'est ça. Ah bah on a eu un one shot là. C'est chaud quand même. Ah mais c'est pas fini en plus. Ah mais c'est pas ça en fait. D'accord. What? C'est vilain. Ouais non mais on a compris, on l'a vu une, deux fois déjà. Ok. Dommage qu'il n'y ait pas de voix. Ils auraient pu mettre des voix. Je sais que le jeu est assez vieux, mais ça aurait été très classe, je trouve. Et avec des... Pardon, les chansons aussi. C'est tellement violent, mais grave, hein, c'est abusé. C'est abusé. Oh là là là. What? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Voir si ça fait mal ou autre. Ça a pas l'air de faire très mal. On peut aller vite. On peut avancer vite peut-être. Ok. Ok. Bon. Bah on charge. Hein. C'était quoi? C'était... Good. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ouais, je pense que c'est parce qu'en fait, le truc est arrivé du derrière. Parce que c'est Shorn et Pomme qui se sont fait avoir en proms, non? Il me semble. Je pense. Lorsque nous avons festoyé, c'est moi qui ai chanté la prière. Nous avons été affamés, c'est moi qui ai respiré la douleur. Donc c'est... et après ils disent qu'il faut que tous les... tous ses compagnons chantent. Ça veut dire qu'en fait on doit trouver plein de bouches et on doit faire ce qu'il veut quoi. Lorsque nous avons festoyé... C'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner de la bouffe. On festoie avec de la bouffe. C'est bizarre, non? Bien. Ça monte là? Ouais. Ok. Bien. Ouais. Ah ouais, j'ai pas sauvegardé après. Ok. Ça me va. Donc là, on était parti à gauche. Le chemin à travers 3 et 2, pas 4. Donc on en était là. Et là, il y a la bouche. Ok. On va sauvegarder là. Oups, non, sauver. Inter, oui. Minable. Interminable. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut y aller vite? Merde. Bon, je suis de profil, donc normalement, ça devrait peut-être faire moins mal, je ne sais pas. Ah! Oh. What? Ok. Yes. Ok. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Des pampans! Des pampans qui volent! Ils sont rapides. Ah. Vache.
Ils me font pas mal, mais ils sont rapides. Est-ce qu'ils me butent des trucs? Est-ce qu'ils me détruisent des bouts d'armure ou des conneries comme ça? Non, je pense qu'on aurait un message, hein. Ils sont rapides, putain. Ils ont pas beaucoup de PV, donc ça va. Voilà. Serpent volant. Elle est par là, putain. Elle a un autre. Ah, elle m'a tapé. Ça fait un truc? Non. Par contre... I got a key. Porte. Porte. Oh mon dieu, on a faim! Oh mon dieu, on a faim! On a faim! On a faim! On a faim! Tiens, on va faire prière aussi. Et... Béni. Allez, on avance. Oh mon dieu! What the fuck? Un beholder! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais comment ça? Mais ah, mais ah! What? Oh! Oh, what the fuck? Hein? Il a explosé, j'ai l'impression. Ouais, un bon gros beholder, mais il a fait sprouch. Bizarre, hein? Il m'a fait le meuf avant, hein? Ok, je vais toucher à ça tout de suite. Un bouton! Bouton. Ok. Ah bon, on le voit sur la map, le bouton. Super. Potion d'antipoison. Ok. Antipoison, ok. Relever les morts. Bien. Antipoison. Je le sens gros comme une maison. Le truc qui arrive là. Antipoison, 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 antipoison. Ok. Bon. Super. On va mettre des antipoisons dans... sur les personnages donc. Hein? Antipoison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son antipoison? Qui veut les antipoisons? Tout le monde a son antipoison apparemment. Ok. Ok, on va sauvegarder. Les buffs là, on va en profiter. Tac. Nickel, alors dans une heure je ferai une pause, hein, je le rappelle. Hop. Si à 17h01, j'ai pas commencé ma pause, faudra me prévenir. Oh là là, du stuff. Stuff maudit probablement, non? Je me méfie maintenant.
Et on a plus de place. C'est que ce bordel. Des bottes de cuir. Une halbarde leech. Oula. Banded armor. Ok. Une épée courte. Ou un sabre. Ok. Bon alors. On fait une sauvegarde. La même. Yes. Et on va essayer de mettre les armes, voir si... Leech, est-ce que ça serait pas un truc qui fait drain de vie? Ça paraît logique, hein? Ça paraît tout à fait logique. Et ça pourrait être pas mal sur Cassandra ou sur... Je sais pas. Bon, mais c'est pas le bon. Alors, épée courte, déjà... Ouais, enfin... Elle est pas plus un ni rien. À moins qu'il faille l'identifier. À voir. La censure, ouais. Parce que fin, par exemple, ouais. Alors, hop. On va le mettre sur Koima, par exemple. Ah voilà, elle est maléfique, ah, super. Ok. Donc elle doit au contraire prendre de la vie au porteur en fait. Ça aurait pu marcher dans les deux sens, ouais. Ça se trouve ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Mais bon. On va même pas essayer. On peut plus les virer après alors. Qu'est-ce qui porte les armes maudites? Je crois que c'est Pomme, hein. Faut pas faire de bêtises. Nous sommes dans un donjon irlandais, c'est un cairn. Okay. Donc ça, bon. Mettre ça au sol, hein, pas besoin. Vache. Banded armor. Alors, on a combien là? Moins 3. Moins 4. Bien. Là, on a moins 5. Oh. Okay. Zéro. Moins un, nickel. Un. Deux, ok, non. L'armure de maille plus un, on va la garder sous la main. Ah bah oui, voilà. Leech. Thumper, Hunger. Ok. Ouais. Bravo. Voilà. Alors, je m'étais dit, peut-être... Oh mais j'ai pas de détection de la magie je crois. Si je l'ai peut-être mis. S'il faut le mettre sur le magot. On va voir, on va tester. Non. Ok. Bon. Alors ensuite. Une porte là, je sais pas si on peut l'ouvrir. Sinon, faudra revenir. On va pas l'ouvrir. Est-ce qu'il y a un bouton autour? Non.
qu'on dorme aussi. J'ai l'impression qu'il y en a qui consomment beaucoup de bouffe là, non? Ah non, c'est une idée. Okay. Merde. Non, pas permute. Mais il n'y a plus prière. C'est pas grave. Ok. Alors, en bas à droite. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Qui c'est? Oh, bonjour. Bienvenue les enfants. Bienvenue les enfants. Vous savez bien ici jusqu'ici. Cependant, votre tempérament doit être encore testé. Faites attention dans votre épreuve aux colonnes de lumière. Quoi? Faites attention dans votre épreuve aux colonnes de lumière. Oh. Vous ne devez pas hésiter. Considérez tout ce que vous avez appris et choisissez la bonne porte. Le mauvais choix et vous ressentirez la colère de mon maître. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Et merci gros Gigi pour le sub sur YouTube. Ok. Ok, ok. Bon, voilà. Donc, faut bien choisir. Ouais, mais super. Choisir comment, pourquoi. Utilisez tout ce que vous avez appris, pardon. Donc il y a une porte là. Et une porte là. Ah oui, d'accord. Bah, on va prendre la droite, logiquement. Oh, sauvegarder. Sauver. 3. Yes. Hop. Allez. Allez, vu que la gauche tout à l'heure, c'était la gauche qui était pas top. Oh. Une voix invisible souffle. Très bien, très sage. Vous ferez un bon disciple de second degré. Puissiez-vous réussir continuellement. Quoi? Qui? Pourquoi? Apparemment, on a choisi la bonne porte. Ok. Enfin, on va voir si... Ok. Ouais, mais... J'aurais bien aimé essayer la porte quand même. Ah, elle est fermée maintenant. Oh là là. Oh là là. Ok. Oh, puis ça se ferme là aussi maintenant. Mon dieu. D'accord. Ok, cool. Bon, on a trouvé la bonne, c'est bien. Je suis content. Là, on peut pas ouvrir. Là, c'est la bouche. Ok. On va re-sauvegarder parce que sinon je vais me faire défoncer par la bouche. Va falloir foncer. Puis en plus on n'est pas full life là donc. Bah on va dodo tiens. C'est mieux. C'est plus sage. Je suis sage moi, qu'est-ce que vous croyez? Ah là là. Faut qu'on jette nos packs de nourriture aussi. Enfin, on peut en avoir besoin d'ailleurs pour des puzzles, j'imagine, mais bon.
sauver Terre. Yes. Je sais pas si on va réussir à passer cash là comme ça. Bon. Ah, j'aime bien cette zik. Allez, on fonce. Yes. Donc là, il y a un pampan là, je crois. Voilà. Voilà. Et après, c'est un sac de cul. Y aurait-il un bouton ici? Ou un passage invisible? Ok, on peut re-sauvegarder. Tac. On va mettre dans la même. Ouh. Ok. Alors. What? Ah oui, c'est le début. Ok. Donc là, on peut soit partir à droite. Soit on va tester, il y a ces deux portes là. Donc la porte 1 et la porte 3. Ça disait le chemin à travers 3 et 2 pas 4, donc c'est pour ça qu'on avait pris 2. Ah bon. Il est peut-être pas 1. Oh oh. Une voix invisible souffle. Pardon. Je pensais que vous seriez plus sage que cela. Par la gueule. Coucou Pomme. On s'en sort, ouais, carrément. Carrément, regarde là. Tout va bien. Tout va bien. Enfin, les tests. What? Non, non. Tout va bien. Oh là là, oh là là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vive nous grave. Pas la bouche. Ok, Aaron est dans les vapes, mais... Tout va bien. Je ferme et on se repose. Il fallait découvrir. Il faut que je découvre les cases. Je n'ai pas le choix. Coucou Avia. Comment vous allez? Bon, pour information, pour ceux qui viennent d'arriver, je préviens que à 17h, je devrais aller chercher Mini Kinect qui était un anniversaire. Donc je vais devoir mettre le stream en pause pendant une demi-heure en gros. Je continuerai un peu plus tard par contre du coup. Alors on a peut-être dans les vapes, elle a un arc. Et tu la vois, elle est allongée comme ça, en train de serrer son arc. Carrément. Carrément. Ça va bien, ok, cool. Et ce jeu est bien, mais bon, je continue à dire que il y a des choix de conception un peu particuliers, notamment le repos. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Un jour, on va se reposer. Ouais. Ok, je vais fermer la porte là au cas où.
qu'il y ait un Beholder, mais en fait, je suis content parce qu'on a bien choisi la bonne porte à la base. Hein, c'était bien celle qui correspondait au résultat de l'énigme, tout comme l'autre, où on a eu la clé. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à aller de l'autre côté. Par là. Je vais sauvegarder, on va refaire une sauvegarde, une bonne sauvegarde. En good 2. Oh là là, je vais même pas monter les aigus comme ça, c'est possible. Ok. Ah ah, la clé va là. Non, on va aller voir là avant. Oh. Hmm. Qu'est-ce qu'elle veut la bouche là? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est bizarre que le texte apparaisse avant, mais bon, c'est comme ça. Les derniers enfants de Lune Ténébreuse n'ont pas observé nos avertissements. Maintenant, ils sont la poussière que nous foulons dans ces couloirs. Voulez-vous faire partie de cette poussière? Non. Non, merci. Très peu pour moi. Sans façon. Que dois-je faire pour ne pas être poussière? Ah putain, pas de one shot, pas de one shot, pas de one shot, pas de one shot. Pas le one shot. Ok, ça a l'air d'être bon. Ok. Crâne. Effet mur. Putain. Cherchez mes frères, mais attention à l'écran. Micro. Pourquoi est-ce qu'il y a le texte avant? C'est vraiment bizarre. Cherchez mes frères, mais attention à leur croc. Alors, son frère, on a trouvé un de ses frères. Donc, lui ne mord pas, d'accord. Mais l'autre, c'était. L'énigme me faisait penser à ce qu'il fallait lui filer de la bouffe, mais ça n'a pas marché, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, on a des os maintenant, c'est bien. On a plus d'os que... Nous en avons besoin. Ah, flap, flap. Flap, flap. Flap, flap. Flap, non. Ah, ah. Flap, flap, et flap. En fait, je pense qu'on devrait pouvoir les tanker. Ah bah, ou pas. Oh, un anneau. Une bague. Une bague. Mon Koïma est empoisonné, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous allons déjà ralentir le poison. Voilà, tout va bien se passer. Et on a une bague. Ok, une bague. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de... De classe d'armure, tiens. 7 de classe d'armure. Si je te mets une bague... la bague, elle va où? Elle va là? Elle va là, putain, je suis con. Toujours 7. Qu'est-ce que ça fait? 18, 8, 4, 18, 10, 7. 18, 18, 4, 18, 10, 7. Ça fait rien de plus. C'est une bague qui sert à rien. Ça file peut-être de l'intel, alors. Combien t'as, Arona? 12, 10, 15, 18, 17, 8. 12, 10, 15, 18, 17, 8. Moi ça. Ça sert à rien. Shorn. Ça va être le meilleur test en fait. Il a pas 18 lui. C'est une bague en plastique, ouais. Mets-lui un pain dans la bouche pour l'autre. Ouais, mais. 15, 14, 13, 14, 13, 16. Et 1. 15, 14, 13, 14, 13, 16 et 1. Ah, ça sert à rien. C'est bizarre quand même. Bon, je vais la mettre au magot. Lui seul, un jour, saura. Qu'est-ce que c'est que cette bague? Cette bague, mesdames et messieurs. Oh! Oh! Ha! Putain, ils ont pas de PV. Bon, ils poisifionnent, mais... Ah, on a la clé pour ça, mais on va faire le reste avant. Na, na, na.
Ah ben là, c'est une clé aussi pour... Ok. Donc, il nous faut deux clés-sons, en fait. Ça, c'est un bouton. Ça, c'est un bouton aussi. C'est un long couloir. Waouh. Waouh. Allô. C'est... ok. Hein. Non, il y a un problème là. Ah, à tous les coups, on peut pas... ça nous téléporte. Ouais. Ça nous téléporte, ok. Ça nous télépeperte. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un bouton? Ok. Ah! Je me sens étourdi. Comment ça, tu te sens étourdi? Qu'est-ce que tu veux dire que tu te sens étourdi? Ouais. Short maintenant? Ouais. Hein? On peut pas passer là. Pareil, ok. Merci, il y a autre chose là. Ah, là on s'est pas senti étourdi. Là on est bon là. Pas taper! Pas taper! Pas taper! Taper un peu, mais pas trop quoi. Ok. Bien. En sauvegarde, c'est pas mal là. Tiens, d'ailleurs, Pomme, t'es pas venu hier pour Amerzone, c'était bien. T'aurais dû. Voilà. C'est pareil, Twista, et c'est Twista qui a demandé à ce qu'on le fasse. Il était pas là. J'espère qu'il va bien. Ok, bon, on va ouvrir ça. Faut pas oublier qu'on a les deux portes en haut, qu'on a plein de chemins qu'on n'a pas fait. C'est le bordel. Oh là. J'ai l'impression qu'ils sont plus faciles ceux-là que... Ok. Ok. Tout va bien. Les Beholders, ils one-shot, mais ils font mal. Ils explosent après. Potion de vitalité. Alors oui, je sais pas la potion de vitalité si c'est pas un truc qui rajoute des PV à Vitam Aeternam. Je les ai toujours pas essayé. Faut que j'essaye. Alors si, j'ai pas vu Patoum en partie... J'ai vu Patoum en partie, Koima l'avait mis sur la télé, j'étais aussi étonné que ce soit de la 3D, qu'il y ait des voix FR, tout ça. Ok. Ah, c'est un jeu français, donc, mais ouais, pour l'époque. Après, 99, quand même, un peu, ça commençait à être pas mal, les jeux vidéo. Mais ouais. Ok. Je me sens étourdi, ouais, mais c'est pas... Ah si, là, c'est grave, en fait. Ok. Il est très très bien, ouais. J'ai vraiment bien aimé. Ok, nickel. Donc on va aller se faire les deux couloirs, là. On sépare celui-là, par exemple. On a Dodo aussi, avant. Ça sera mieux. Soin du poison. Et... repos. Bah oui, je veux soigner le groupe, évidemment. Ok, bah cool. Ouais, ouais, non, il était... ouais, j'ai hâte de le continuer. Là, je kiffe tous les jeux que je suis en train de faire en ce moment, cette semaine. Enfin, en général, je les aime parce que... Je les aime bien parce que sinon, je les continuerai pas. Hein. Je suis pas mazo non plus à ce point. Mais là, en ce moment...
Il y a que du très très bon. Donc c'est cool. Not a Hero, il est aussi bien que dans mes souvenirs, mais j'ai peur qu'il faille que ça soit un genre de jeu qu'il faut faire en 100% si on va avoir une fin. On verra bien. Oh là. Merde. Paf. Ok. Ouh. Ok. Ça va faire. Faut peut-être l'avoir à distance. En fait, je suis un peu con, moi. Peut-être le. Tiens. Ok. Fail. Il vient. C'est ça. Yes. Salut. Je me sens plus intelligent d'un coup, là. J'ai dû prendre 4 en intelligence. Ok. Y'a rien, là. Ok. Pas un bouton. Un mur invisible, quelque chose. C'était juste pour l'XP. Ok, ça me va. L'XP, c'est bien aussi. Ok. Allez. Par chemin de ma du désintégration. Oh là là, 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 oh là là. Apprends-moi ça tout de suite. Apprends-moi ça tout de suite. Tu apprends. Non, pas ça. Tu écris le parchemin. Yes. Voilà. Pardon, hop. Mémorisé. L'intégration. Oh putain, c'est du niveau 6, je peux pas. Alors ça, j'ai pas de sort niveau 5. Enfin, je peux utiliser un sort niveau 5, mais j'en connais aucun. Je ne peux pas lancer de sort niveau 6, mais j'en connais un. Si c'est pas débile... Bien. C'est pas grave. Coup dur. Ouais. Bon, c'est pas grave, on l'a pour quand on aura un level de plus. Ok, ensuite. Donc tout ça, c'est fait. On va redescendre un peu plus bas. Là, on peut ouvrir ça. Sauvegardons. Tac. Et tac. Mais je trouve pour l'instant que c'est plus facile que le début du jeu là. Je pense que c'est parce que probablement parce qu'on a chopé des armes, on a pris des levels. C'est pour ça qu'il conseille en fait de reprendre une sauvegarde du premier. Puisque les personnages sont légèrement plus haut niveau que ceux qu'on avait. Et puis peut-être que parce que les archers ont des arcs du coup. Je jure, on va passer par la droite. Oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là. Hein? Ah, elle est fermée celle-là. Elle est ouverte celle-là, je sais pas s'il y a un... Oh. Mais lol. Mais what? Ok. Ok, alors c'est que des bouches, plein de bouches. Au début on était tout nus, exactement. Bouche, bouche. Bouche, bouche, bouche. Va falloir faire du bouche à bouche. Peut-être. Ok, avant, on va aller tester là-bas. On va passer là. Ok, plus là, avant. Par là. Ouais, mais derrière. Tac. Bouche de là, on veut passer exactement. Après, ça veut pas dire que toutes les bouches sont... Wouah! 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 Ah, le boss du fin du 1, c'était un Beholder. Là! Là, les Beholders sont des trash mobs.
Enfin, c'est pas grave. C'est bizarre qu'on les one-shot quand même. Parce que... c'est comment il s'appelait, Xar? Putain, il y en a encore un. Tu connais le sort, mais pas en capacité de le créer. Il y en a... Non, non, je sais que c'est pas... Que c'est... je t'adore, Kafka. Je sais que c'est normal. C'est juste pas de bol. C'est abusé. Ok, on est. C'est des bébés holders. Ouais, c'est peut-être des bébés holders du coup, effectivement. Peut-être qu'ils sont, ils sont trop. Ah, on rejoint. On rejoint là en fait. Ok. Tac. Tac. Par là. Yes. Ah. Ok. Ok. Et ça rejoint là, ok. Ah non, ça rejoint pas, on connaît pas ici en fait. Ouf. Oh oh. S'il vous plaît, qui que vous soyez, allez-vous-en, c'est un piège, n'approchez pas plus près. Ok. Bien. Mmh. Ok. Hop et hop. On va approcher plus près, hein. On nous dit de pas le faire, donc on va le faire. Mais effectivement, je pense que. Allez. Oh. Du stuff. Il y avait du stuff. On envoie les deux randoms d'abord. Ah non, les deux randoms, ils sont cool aussi. Ah, oh, c'est un vieux. Je vous ai dit de pas venir ici. Je suis là pour y demeurer seul et mourir. Et vous subirez le même sort si vous ne partez pas tout de suite. Sans qu'il rire. Comme vous, et dans des épreuves d'initiation, mais j'ai joué dans ma tentative. Nous connaissons le prix de l'échec, et maintenant je dois payer. J'attends les serpents, comme ça je pourrai mourir avec honneur. Et maintenant laissez-moi, avant que ma chance maudite elle vous fasse périr, et vous aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue, on le laisse? Je pourrais mourir avec honneur. Bah, on le laisse, mais... J'ai l'impression qu'il y a... Il y a plein d'armes et d'armures derrière lui, là. Un peu de mansuétude, que diable. Et il veut mourir, mais avec honneur. Je pense, non? Si on le tue comme ça, je sais pas si c'est honorable. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon. Là, si ça se trouve, il va te tuer avant. Laissez-moi et continuez à progresser. Puissiez-vous réussir là où j'ai échoué? Ouais, mais il a peut-être des trucs derrière. Il a l'impression qu'il y a des trucs qui nous, pourraient nous aider, hein. Ah là là! Ah là là! Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça m'énerve. Il a une perruque blonde. Non, je pense qu'il s'est fait... Il s'est fait pomper son énergie. Ça devait être un magot. Ah bah non, il a une armure de plate derrière. Franchement, je sais pas. On accède à sa demande. Ok, on peut voir. Hein. Ah ouais. À mort. Ah. Ça a fait planter le jeu. On tue pas Ninja qui est revenu sur Twitch. Il est revenu sur Twitch, sérieux? Ouais, je crois que ça a fait planter le jeu. Le pointeur comme ça, c'est pas bon. Ah, non, peut-être pas. Ah! Thank you.
Ok. Ah, c'est bon, il l'a eu avec honneur, il s'est défendu. Il s'est défendu, ça va. Je me sens mieux. Bon, par contre, il y a une trappe, là. Il y a un piège. Qu'est-ce que c'est que ce truc de... Facile, ouais, mais... Ça ressemblait à un bruit de métal qu'on casse. J'espère que c'était rien d'important. What? Hein? What the what? Ah mais là j'ai plus de place moi, messieurs là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai plus de place du tout là. Plaque. Un casque. Potion de soin. Un bouclier. Plaque. Un des objets cassés, tu crois? Ah, c'est possible. Faut voir. Non. Tiens, les bottes là, on les a même pas équipées ces bottes là. Tiens. J'ai pas l'impression. Alors, moins 1, moins 5, ok. Prendre les os. J'ai pas l'impression qu'on ait un objet de cassé. Imaginez, Aaron casse son arc. Ça serait hilarant, franchement. Ok, je sais pas pourquoi... Pourquoi il y a ça, là? Tout va bien, bah j'ai l'impression. Moi je pense que c'est plutôt quelque chose ailleurs qui a cassé en fait. Mais je peux me tromper, mais... C'est tout ça. Ah! Ah! Ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. On est... La porte s'est enfermée. Ah! Ah. Il y a forcément la hallebardetable de derrière. Non, on a essayé la dernière fois, ça marche pas malheureusement. Malheureusement, c'est dans c'est dans d'autres jeux genre dans Legend of Grimrock ça fonctionne. Peut-être retirer les trucs de la plaque. Je pense qu'il maintenait la porte ouverte en fait. Mais bon. Ça n'a pas l'air de marcher. Ok. Pas de passage secret. Ou alors mettre plein de choses sur la plaque peut-être. Ouais. Mais si nous,
Si le fait de, que nous on soit là, ça ne fonctionne pas, c'est que... Ben ouais, on peut faire ça, mais il y avait déjà quand même... Il y a une hallebarde et deux plaques... deux armures de plaques dessus, quand même. Oups, pardon. On va mourir ici probablement. Connor. Ouais. En plus, c'est parce qu'on a écouté Kashka, alors que Kashka a déjà joué au jeu. T'as plus le corps du vieux pour le poser. Non, mais... Bah, j'ai pas eu le corps du vieux, mais c'est vrai que j'ai... J'ai un crâne et un fémur. Pas l'air de marcher. Ou faut peut-être poser, c'est. Sinon on recharge, et puis tant pis, hein. Si on recharge, mais. Et puis tant pis, parce que. De toute façon, on a rien chopé de vraiment. À part un casque. À part un casque le, et une popo de vie, le reste. On s'en fout un peu, quoi. Lol, Kashka. Eh ouais. Ah ouais. Faut assumer, hein. Ah, j'ai une idée. Tac. On va le faire. Espèce de brousouf, lol. Ah, au fait, GG, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, moi. Ça a l'air d'être ciblé en plus. Chier. Ah, GG syndical, bah oui. Oh là là, je suis con. Non. Non. Bah je sais pas. GG pour la prochaine bonne action car je suis pas dans le drop. Lol. Bon, bah on va recharger parce que je vois pas, hein, franchement. Je sais pas. C'était lequel ? C'était celle-là, là ? Je sais même plus. Oh.
Allié précieux loot. Ouais, mais non, le loot, il était pas non plus. C'était pas. Ça va. Ça va, ça va. Deux secondes. Coucou Valfi, je serais bien devant mon écran et ça c'est chouette. Eh bah tant mieux. Coucou Valfi, comment ça va? Ah oui merde, du coup, ok, c'était la bonne sauvegarde. Donc on va le laisser tranquille. Hein. J'en étais sûr. Fallait. Je m'en doutais. Sans qu'il y ait rien à laisser. Voilà. Allez. Salut gangréné, t'as mangé ta jambe. Lol. Ouais, j'espère que ça a été le taf. T'es adapté pendant ta pause là, j'imagine. Je sais plus. Où t'es revenu. Ok. Bien. Avec du ketchup, lol. Ok, donc on peut pas aller là. On va aller. Il reste plus que les bouches en fait. Il reste plus que toutes les bouches là. Quoique, on a une clé. Je crois qu'on a une clé. Pour là, non? Ouais. Yes. Tac, tac. Aïe. Ok. Tac, tac, hop, salut. Ok. Oh là là. Salut. Oups. Ah. Tapez-moi ce truc. Yes. Putain, mais il y en a combien? Poison. Allez. Et ralentir poison. J'ai un poste jusqu'à 18h. D'accord, ok, cool. Matinée était hardcore en partant. Il a fallu que je gueule sur la cuisine et le comptoir pour qu'ils se prennent un peu en charge. Comme on a plus de 900 secondes, c'est inadmissible. À la fin, je demande à la cuisine de me faire un sandwich manquant alors qu'ils ont les éléments et me répondent pour quelle commande, mais on s'en fout, on va faire. Fais-moi mon egg and cheese. Lol. Ok. Alors, hop. Oh, un arc! Aaron, un autre arc! Nom de Dieu! Arc. Oh, il a l'air différent. Un parchemin. Des flèches, nom de Dieu. Deuxième arc qu'on croise dans le jeu. 16 flèches, mais c'est à teuf. Ok. Aaron, un arc dans chaque main, lol.
Alors là, on a un arc et là, on a un arc. On n'est pas. Lequel est le mieux? Je dirais le celui qui est bleu, mais. Est-ce qu'on a. Bah, je vais tester un truc, tiens. On va tester un truc. Premier, je sais pas, un arc qui cherche pas, c'est un play school. Favorisé. Détecte invisible. Imparfaite identité. Dissipe la magie. Dissipe maléfisme. Oh, dissipe maléfisme. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour. Pour les armes maudites. Le feu, hâte. Détection magie. Voilà, on va tester ça. Tac. Tac. Ouais, je sais. Bouffe. Poison. Poison. Tac. Reposer. Yes. Il y a un Dark Souls Like 2D qui a été annoncé au Summer Game Fest. Je sais pas si t'as vu. Bah, peut-être. Enfin, j'ai pas vu, mais. Ça dépend. Le nom, je sais pas ce que c'est. Peut-être que je le connais, peut-être pas. Alors, je veux voir si. Alors, on va tout mettre par terre. Voilà. Tac. Et on va mettre des objets. Genre. Pas ça. Voilà, épée longue, hunger. Là. On va en mettre plusieurs. La bague. Quoi d'autre? Je vais voir en fait si on peut identifier des trucs en fait. Tout simplement. Ou alors virer les maléfices sur les trucs. On va voir. Ok, allez. Tac, donc détecte magie déjà. Ça le fait sur tout le monde, ok? D'accord. D'accord, donc tout ça c'est magique, donc c'est bien. Donc cet arc-là il est magique. Ok? C'est cool. Maintenant il faudrait identifier en fait. Alors est-ce que parfaite identité ça fait quoi? Ça détecte pas ça, ok? D'accord. Il faudrait une identification d'objet en fait. Dissipe maléfisme. Sur nous. Ah, épée longue, moins 2 maléfique. Moins 2. Ok. Bague. Clé. Arc. Ok, bon, bah on sait pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres sorts. Et il était présenté comme tel. Bah, faudrait. C'est quoi le nom? Alors, du coup, on va faire. Un thumper. Ah, ça permet peut-être de retirer l'arme en fait. Je suis en train de me dire. Ok. Bon. Donc cet arc là on va le laisser là et du coup Aaron va prendre cet arc là qui est magique a priori, donc ça doit être un arc plus 1 j'imagine, mais est-ce qu'on a autre chose? Tech magie. Non. Ok. Pareil, cette hache là elle est magique aussi. Ok, j'ai pas beaucoup de temps, il va falloir que j'y aille bientôt. Ça, on peut virer.
Ah oui, bah ça c'est plus un, forcément. Ça faudra qu'on lise. Ok. Je s'appelle Last Faith. Ok, mais je connais pas. Si tu peux m'envoyer ça en Wisp ou sur Steam, que je me rappelle. Alors, maléfique. On l'a les garder les armes maléfiques au cas où. Merci. Ou sur Discord, ça marche. Ouais, il va falloir que j'aille chercher Minikinen dans quelques instants et je vais mettre le stream en pause. Ça, si, c'est magique. Ça sur Aaron. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs de glace là. Tac. Ok. Ok. C'est bon, on a tout remis comme il fallait. Ok, maintenant faut que je remette les sorts comme il faut aussi. Donc détection de magie, non. On veut missile magique, missile magique, missile magique, missile magique. Et là on veut flèche acide, flèche acide, flèche acide. Boule de feu, boule de feu, boule de feu. Ah, oh là là, on aurait pu mettre dissiper la magie peut-être pour... Non, je pense pas. Tempête de glace. Là on peut pas. Là on peut pas. Ok, reposer. Nuage magique, j'ai pas. Tac. 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 Là, on va refaire une sauvegarde là. Good. Ok. Alors. Voilà, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Je vérifie juste un truc. Pour le retour, on va aller donc sur le chemin qui est tout à qui est à gauche au milieu là. Ok. Ok. Là, on va faire une deuxième sauvegarde au cas où. Hop. Tac, tac. Bien, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Telkino avec l'épisode numéro 6 5 5 5 de Eye of the Beholder 2. Merci beaucoup et à la prochaine.